Allez, aujourd'hui un petit test. Est-ce que c'est possible de faire de la mousse au chocolat seulement avec du chocolat et de l'eau? C'est ce qu'on va voir. Les œufs, ça apporte rien en termes de goût à la mousse au chocolat. C'est juste là pour apporter des bulles d'air. Le chocolat, c'est déjà très gras, donc la crème ou le beurre, en théorie, c'est pas forcément nécessaire pour créer une émulsion. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut mélanger du chocolat et de l'eau et faire une belle émulsion. Je mets 150 g de chocolat à 70% de cacao et je verse 20 cl d'eau frémissante. On mélange bien au fouet pour émulsionner le chocolat. Quand ça devient lisse et brillant, c'est le signe que l'émulsion s'est bien passée. Pour les bulles d'air, on va servir d'un siphon. Et on va laisser refroidir complètement au frais. Quand c'est bien refroidi, on met une cartouche de gaz. En fait, c'est pas une mousse au chocolat, c'est une mousse de chocolat. 20 fois moins calorique que la recette classique et sans produit animal. La texture est vraiment hyper légère. Ça remplacera pas la mousse au chocolat classique, mais en termes d'intensité de chocolat, c'est hyper intéressant.